L'histoire ne doit jamais être oubliée. Le passé reste vivant à travers son évocation. Actuellement, encore dans de nombreuses régions du monde, des personnes souffrent de la faim, des désastres naturels, des épidémies et même des guerres. Dans tous ces endroits, on voit souvent des équipes médicales chinoises. Au cours des 50 dernières années, des dizaines de milliers de médecins chinois ont soulagé les souffrances d'environ 200 millions de personnes à travers le monde. Cet engagement de longue date et qui reçoit un si bel accueil a vu le jour en Afrique. Décembre 1962. Beijing entrait alors dans sa période la plus froide de l'année. Ce bâtiment banal se situe sur la rive nord du lac Rohai. Il abritait à l'époque les bureaux du ministère chinois de la Santé. Tian Junqi, originaire de Shanghai, travaillait alors au bureau des relations extérieures du ministère. Un jour, elle reçut une lettre d'invitation très spéciale. Comme elle ne savait pas où se situait l'Algérie, elle consulta une carte. Elle découvrait ainsi ce pays fraîchement indépendant du nord de l'Afrique. L'Algérie se situe au bord de la mer Méditerranée. Il s'agit du plus grand pays d'Afrique et ses ressources en gaz naturel et en pétrole sont abondantes. L'Algérie a déclaré son indépendance le 3 juillet 1962. Mais 10 années de conflits armés avaient créé dans le pays un besoin désespéré de personnel médical. Ces hôpitaux étaient alors en faillite et l'intégralité du système de santé était proche de l'effondrement. Le nouveau gouvernement algérien demanda au reste du monde une assistance médicale pour résoudre la crise. Tian Junqi soumit donc la lettre reçue, accompagnée d'un rapport venant de son ministère, au Conseil des affaires d'État de Chine. Peu de jours après, le Premier ministre, Zhou Enlai, rendit visite au président Mao Zedong. Zhou avait sur lui la lettre et le rapport que Tian Junqi avait soumis. La Chine connaissait alors, elle aussi, des difficultés. Le pays luttait après 3 années de pénuries alimentaires. Et pour empirer les choses, le pays subissait le blocus militaire et économique des pays occidentaux menés par les États-Unis. En plus de cela, le gouvernement soviétique avait récemment rappelé ses experts et arrêté toute aide économique envers la Chine. L'Algérie avait établi des relations diplomatiques avec la Chine en 1958, alors qu'elle se battait encore pour son indépendance. Face aux difficultés auxquelles l'Algérie était confrontée, les deux dirigeants chinois devaient alors décider s'ils allaient ou non aider. Dans le bureau de Mao Zedong, les deux dirigeants prirent une décision historique. La Chine allait choisir ses meilleurs médecins pour former une équipe médicale qui irait aider ses frères et sœurs africains. On peut dire que c'est une coup d'état pour aider ces Africains. Une équipe qui a été en train de se battre et qui a été en train de se battre, comment ne pas soutenir nos gens qui ont été en train de se battre et de se battre et de se battre? C'est notre pays. 我们需要广交朋友。
Ainsi, dans un geste sans précédent, en janvier 1963, la République populaire de Chine a annoncé l'envoi d'une équipe médicale en Algérie. Cette décision historique était sur le point de changer le sort d'innombrables personnes. Xu Xianze a désormais 83 ans. Il a oublié la plupart des choses récentes. Mais les événements qui se sont produits il y a 54 ans sont encore très vifs dans sa mémoire. C'est 1963年3月上旬，我们那当时的一个我们的主任叫江敏凡，他说下雪，我们要的取材，我好取材取材，我到哪里去？我讲的是湖北话啊，他说到非洲，我心冷了。 Et ainsi, en mars 1963, 13 travailleurs médicaux se sont rassemblés à Beijing. Ils venaient du Roubaix, de Tianjin, de Shanghai, de Beijing et d'autres régions de la Chine. Après une courte formation durant 15 jours pour les familiariser avec la situation internationale et leur donner les bases de la langue, Xu et le reste de l'équipe s'en allèrent en Afrique. Ils prirent le Transsibérien durant 7 jours et 7 nuits jusqu'à Moscou. Ils montèrent ensuite dans un avion et après plusieurs correspondances, ils atterrissaient à Saïda, dans l'ouest de l'Algérie, au mois d'avril 1963. L'équipe médicale était en place depuis 8 mois, lorsqu'en décembre 1963, le Premier ministre Zhou Enlai arriva en Afrique. Sa tournée dans 10 pays africains, c'est là le départ d'une nouvelle ère dans les relations entre la Chine et l'Afrique. Au cours de sa visite, le Premier ministre Zhou a présenté les 5 principes qui guideraient les relations entre la Chine et les pays africains en développement, ainsi que les 8 principes de l'aide de la Chine aux pays étrangers. Tous ces principes représentaient l'application concrète de l'esprit de la conférence de Bandung et des 5 principes de la coexistence pacifique. Le Premier ministre Zhou a tenu à souligner que l'aide de la Chine à l'Afrique était un soutien mutuel entre amis et non un cadeau ou une aumône. Un des biens les plus précieux que Xu Xianze a conservé est une photographie. Elle montre la rencontre entre Zhou Enlai et la première équipe médicale chinoise en Afrique à Oran. Zhou leur a demandé de servir le peuple africain en suivant l'esprit du célèbre médecin canadien Norman Béthune. Depuis plus d'un demi-siècle, la Chine envoie des équipes médicales en Afrique tous les ans. Lors d'une visite en République du Congo le 30 mars 2013, le président Xi Jinping a évoqué la philosophie des personnels médicaux chinois. Elle est symbolisée pour lui par un sacrifice désintéressé, une grande attention donnée aux soins des malades et un amour sans frontières. L'Afrique est le second plus grand continent en termes de superficie et de population dans le monde. C'est un continent caractérisé par sa chaleur et sa vitalité. Isidore de Séville, ecclésiaste du 7e siècle, tirait le nom Afrique du latin Africa, qui signifie ensoleillé. Le Soudan du Sud a déclaré son indépendance en 2011 et a établi des relations diplomatiques avec la Chine la même année.
Soudan du Sud est riche en ressources minérales, mais souffre d'un retard en termes d'infrastructures et d'un manque de services sociaux. Les transports routiers, les services publics et médicaux posent de graves problèmes. Le climat chaud et humide, associé à un système de santé défaillant, rend le pays vulnérable aux épidémies. 50 ans après que la première équipe médicale chinoise a posé le pied en Afrique, le premier groupe de médecins chinois pour le Soudan du Sud arriva à l'hôpital universitaire de Djouba. C'était le 25 décembre 2012, le jour de Noël, et les médecins locaux dirent que leur arrivée représentait le plus beau cadeau possible. Les médecins chinois ont rapidement pris conscience de la dure réalité sur place. Depuis, tous les ans, du personnel médical venant de la province de l'Anhui se rend au Soudan du Sud. Les nouveaux arrivants sont toujours frappés par les mauvaises conditions dans lesquelles se trouve le plus grand hôpital public du pays. Plus de 95% du territoire est constitué de savanes et les précipitations annuelles y sont extrêmement élevées. Les moustiques porteurs du virus du paludisme prospèrent dans cette atmosphère chaude et humide. Deux médecins chinois ont attrapé cette maladie dès leur première semaine sur place. Mais à midi, les deux médecins avaient une forte fièvre. Ils ont fait tout de suite un test sanguin. Les deux médecins ignoraient que leurs collègues étaient en contact permanent avec des spécialistes en maladies infectieuses en Chine. Grâce à leur directive, la température des deux patients est redevenue normale après 5 jours. La diarrhée a mis 15 jours avant de disparaître. Zhang Chang-an a perdu 10 kilos durant cette période. Dans la culture traditionnelle chinoise, les médecins ont le statut de guérisseurs vertueux qui soulagent les maladies de leurs patients avec compassion et bienveillance. Même dans un environnement étranger, le personnel médical chinois est plus préoccupé par le traitement des patients que par ce qui se passe autour. Liu Qun est le chirurgien orthopédiste dont il parle. Ce jour-là, le docteur Liu a dû remettre en place la fracture d'une jeune femme soudanaise. La jeune femme s'était fracturé le bras un mois auparavant. Malheureusement, l'os n'avait pas été bien remis. La vis en acier utilisée pour le fixer s'était détachée. Si le problème n'était pas résolu, elle pouvait être handicapée à vie. Le directeur du service d'orthopédie de l'hôpital universitaire de Djouba s'est donc tourné vers Liu Qun pour obtenir son aide. Bien que Liu Qun ait étudié les radios avec attention,
il eut un problème inattendu dans la salle d'opération.20 jours après, une radio montra que le bras commençait à cicatriser. Avec leur talent et leur dévotion, il n'a pas fallu longtemps pour que les docteurs chinois gagnent la confiance des médecins locaux et des patients soudanais. À l'hôpital universitaire de Djouba, les médecins chinois sont très occupés. Ils sont devenus populaires grâce à leurs attitudes sympathiques et aux traitements efficaces prodigués. Il y a 2 semaines, une connaissance mutuelle mettait Tenza et Jia en contact avec Zhu Xinguo. Il y a 15 ans, on a diagnostiqué chez Tenza et Jia une tumeur sur sa glande parotide qui a grossi avec le temps. Elle souhaite que le docteur Zhu l'opère. La réponse du médecin chinois ne s'est pas fait attendre. Il lui a demandé d'être interné et de se préparer pour l'intervention. Tenza et Jia ne savaient pas les risques auxquels allait faire face le docteur Zhu. Malgré le fait d'être un médecin réputé dans l'Anhui, Zhu Xinguo avait très peu d'expérience en chirurgie maxillofaciale. Après avoir consulté des experts chinois via Internet, le docteur Zhu s'est senti prêt à opérer. Il réussit finalement à enlever la grosse tumeur de la patiente. Que ce soit au Soudan du Sud ou en Algérie, il y a plus de 50 ans, ces scènes se déroulent régulièrement en Afrique. La compassion des médecins chinois transcende les frontières et les nationalités. Les unes après les autres, les équipes de docteurs chinois ont, en sauvant des vies, apporté de l'amitié en Afrique. Madagascar, la plus grande île d'Afrique, se trouve à l'est du canal du Mozambique. Son éloignement du continent africain lui a permis de développer une identité particulière ainsi qu'une flore et une faune uniques. La première équipe médicale chinoise est arrivée à Madagascar il y a 42 ans. Depuis lors, 4 postes médicaux chinois ont été installés. Un dans la capitale, Antananarivo, un au nord, un à l'est et un au sud. Le centre hospitalier de référence de la région d'Androy est situé à Ambovombe. Ici, dans le désert aride et chaud, l'eau douce est un luxe. Les gens ne mangent pas de l'eau.
Li Hui est en charge du poste médical du Sud. Malgré une préparation intense, en amont de son arrivée, il a été saisi par les conditions difficiles. Ambovombé se situe à la pointe sud de Madagascar. C'est un endroit aride et la seule eau exploitable pour les médecins chinois était une eau de mer dessalée ayant fait un voyage de 50 km. Cette eau pouvait provoquer chez certains des gonflements de ventre et la diarrhée. L'approvisionnement en cette eau restait intermittent. En raison de la faible pression de l'eau, chauffe-eau et toilettes ne fonctionnaient pas toujours. Les hommes pouvaient toujours trouver un coin tranquille pour se laver avec un seau d'eau froide, mais quid des femmes membres de l'équipe médicale ? Avec une si faible pression d'eau, un chauffe-eau est incapable de fonctionner correctement. En 42 ans, aucun travailleur médical chinois n'a pu prendre une douche chaude ici. Le poste d'Ambowombe ne doit pas seulement gérer les conditions les plus difficiles des quatre centres de Madagascar, mais aussi la charge de travail la plus conséquente. Oui, Ambowombe, ça fait déjà depuis 1975, l'équipe médicale chinoise est là. Et dans le cadre de la collaboration entre les gouvernements chinois et les gouvernements malgaches, bien sûr. Finalement, l'équipe médicale chinoise a contacté le département de la santé de la région pour relocaliser le poste médical du Sud. Prête toujours qu'il y aura toujours l'équipe médicale chinoise restée en Bombay pour satisfaire la population entière. La lourde charge de travail et les conditions difficiles mettent au défi tous les médecins du poste médical du Sud. Tous les matins, des Lémuriens visitent les locaux du poste. Ces adorables créatures apportent beaucoup de bonheur aux médecins chinois et les attachent encore plus à l'Afrique. Grâce au financement du gouvernement chinois, une série de projets sont entrepris pour améliorer la situation en termes d'approvisionnement en eau pour l'équipe médicale chinoise. Selon Ling Xiaowen, son équipe a maintenant de l'eau fraîche à boire et de l'eau chaude pour se laver. Le docteur Wu Jinglian a envoyé un message depuis le poste médical du Sud le 16 septembre 2017 pour dire qu'elle avait pris sa première douche chaude depuis 292 jours. Il s'agissait aussi de la première douche chaude pour un personnel médical chinois à Ambowombe en 42 ans. Deux îles en forme de perles sont incrustées dans l'ouest de l'océan Indien. Ce sont les îles d'Unguja et de Pemba, de l'archipel de Zanzibar. En 1964, le Tanganyika et le Zanzibar ont fusionné pour former la République unie de Tanzanie, en Afrique de l'Est. Pemba, la deuxième plus grande île de Tanzanie, est couverte de giroflées. Cet endroit est le premier producteur mondial de clous de girofle. Ici,
le personnel médical chinois sauve des vies quotidiennement. Ce patient est dans le coma à la suite d'un grave accident de la route. On a diagnostiqué chez lui une rupture de la rate, mais deux hôpitaux ont refusé d'opérer, faute d'installation nécessaire. Le patient a donc été transporté à l'hôpital Abdullah Mzi. L'expérience a appris à Dr Xi que si un patient souffrant d'une perforation intestinale n'est pas opéré sur le champ, il y a un important risque d'infection d'autres organes pouvant causer une péritonite. Il a donc alerté l'anesthésiste Su Zhonghong. Étant le seul anesthésiste de l'hôpital, Su doit participer à toutes les opérations. Cela signifie qu'il doit participer à 4 ou 5 opérations par jour. Après avoir ouvert le ventre du patient, le docteur Xi a rapidement identifié le problème. Pourtant, une complication inattendue a failli causer un désastre. L'infection avait provoqué un trouble de l'équilibre acido-basique qui devait être soigné avec du bicarbonate de sodium. Mais il n'y en avait nulle part. Sans ce composé, le patient allait souffrir d'acidose et l'infection allait s'aggraver. Su Zhonghong expliqua la situation au dispensaire de l'hôpital. Et ils trouvèrent finalement 500 ml de bicarbonate de sodium. Au bout de deux jours, le patient montra des signes d'amélioration. Chen Ardong est un médecin ORL de l'hôpital numéro 1 de Nanjing. Sa mère, en apprenant qu'il allait être envoyé comme directeur adjoint de l'équipe médicale chinoise sur l'archipel de Zanzibar, se renferma dans son bureau. Deux mois après, elle offrit à son fils un cahier bien rempli. Il comprenait 100 pages de choses à savoir. Ce cahier devint une référence de valeur pour le docteur Chen et ses collègues sur l'île de Penba. L'hôpital Abdullah Mzi est le centre médical de l'île de Pemba et il dessert une population de près de 400 000 habitants. Chen Ardong endosse plus de responsabilités que les autres médecins. Bien que les signes d'affection de sa mère aient encouragé le docteur Chen,
ils lui ont aussi donné le mal du pays. Il est normal que les médecins travaillent dans le stress. Ils font face à une lourde charge de travail quotidienne, tombent parfois malades eux-mêmes et luttent régulièrement pour sauver des vies. Pourtant, les travailleurs médicaux chinois sont toujours conscients du serment qu'ils ont prêté. Prendre soin de leurs patients avec amour et professionnalisme. L'île d'Unguja est située à 40 km au sud de l'île de Pemba. Stone Town était autrefois le port le plus fréquenté d'Afrique de l'Est. Les navires marchands chinois faisaient déjà escale dans le coin durant la dynastie des Song du Sud, il y a plus de 800 ans. Avant sa retraite, Madame Hassan travaillait à l'hôpital Nazi Moja de l'île d'Unguja. Parce qu'il était autrefois entouré de grands palmiers, il est aussi connu sous le nom d'hôpital des cocotiers. Plus grand hôpital de l'île, il dessert 1 million d'habitants. En tant qu'un des 4 médecins locaux de l'hôpital, Madame Hassan devait souvent travailler 24 heures sur 24. Mais un jour, l'intensité du travail et sa mauvaise alimentation se sont avérées fatales et elle fit un burn-out. I was completely dead. Half dead. Till midnight. Six in the morning. I opened my eyes and I said, Sanora, where? This is not my room. And I slept. I lose again conscious. Malgré le temps passé, elle se souvient parfaitement des soins que ses collègues chinois lui ont prodigués. Every day they must come. Every day. Three times. Somebody pulse, somebody listen to fetal heart distress, somebody walk, analyze. I was so tired. Grâce aux soins des médecins chinois, elle se soigna vite. Leur amour et les soins qu'ils prodiguent ne sont pas qu'à destination des patients. Ils s'étendent aussi aux autres docteurs et infirmières. I was working with Dr. Li, a lady. I think from Jiangsu province. Very sweet. She feels that this young doctor is hungry. So I have to brought something for her. So daily, small steamed bread for me. I can't finish. I eat half, the rest I'm taking to my home. Madame Li, qui l'a soignée, est retournée en Chine. Le docteur Hassan a été témoin d'un flot continu de médecins chinois talentueux, venant prodiguer leurs soins et repartant ensuite en Chine. Elle comprend parfaitement les difficultés auxquelles ils sont confrontés. To learn, you have to learn the language, the culture and everything. Au cours des 40 dernières années, Madame Hassan a tissé de forts liens d'amitié avec ses collègues chinois. L'amour montré par les travailleurs médicaux ne connaît ni barrière de race, ni distance géographique. Grâce à cela, les soigneurs chinois se sont installés en Afrique. L'assistance médicale,
la Chine a aidé l'Afrique dans de nombreux autres domaines, notamment les transports, les télécommunications et la construction d'infrastructures. Les divers efforts continuent de respecter les 8 principes de l'aide de la Chine aux pays étrangers énoncés par le Premier ministre Zhou Enlai. S'appuyant sur la sincérité, le pragmatisme, la fraternité, l'honnêteté, ils servent à promouvoir une solide amitié fraternelle entre la Chine et l'Afrique. We are happy that we cooperate very well with China. Africa value very much the friendship and cooperation with China and the Chinese people. Depuis plus d'un demi-siècle, les travailleurs médicaux chinois parcourent le continent africain. Sauver des vies et soigner des gens, leurs actions bénéficient aussi bien aux villes qu'aux villages. D'une équipe à l'autre, ils se rendent en Afrique pour servir la population locale de manière désintéressée. Certains y ont même donné leur vie. En dépit des nombreuses difficultés et des sacrifices qu'ils doivent faire en Afrique, le personnel médical chinois remplit toujours son devoir avec diligence. L'Éthiopie, dans le nord-est du continent, est connue comme le toit de l'Afrique. Les deux tiers du territoire du pays sont des plateaux. Ce pays africain, qui a une longue histoire, a établi des relations diplomatiques avec la Chine en 1970. À 300 km de la capitale, Addis Abeba, dans le sud de l'Éthiopie, se trouve Dima, la capitale de l'ancienne province du Kaffa, célèbre pour le café cultivé ici. Kaffa aurait donné son nom à la célèbre boisson. Dans la périphérie de Dima se trouve un village connu sous le nom de China Sefer. Une vieille dame appelée Rondo Hale vit ici. Les gens de China Sefer parlent toujours de l'amitié entre son père, Seudi, et un médecin chinois. En 1974, la première équipe médicale chinoise arrivée à Dima était dirigée par Meg Nguyen, un spécialiste des maladies cardiovasculaires. Seudi était l'un de ses patients et les deux sont devenus amis. Le docteur Mei souffrait lui-même d'hypertension et de maladies cardiaques. Pourtant, lors des tournées médicales, il donnait plus de 300 consultations et effectuait jusqu'à 5 opérations par jour. L'équipe médicale chinoise qu'il dirigeait était très respectée dans la communauté locale. En août 1975, la zone Gamo-Gofa fut confrontée à une catastrophe sanitaire. Le docteur Mei fut invité à évaluer la situation. Dès son arrivée, il a exigé de savoir où se trouvait l'endroit le plus touché et il est allé directement là-bas. Malheureusement, lors du trajet retour, la voiture du docteur Mei fut impliquée dans un accident et il mourut. Il n'avait que 51 ans. Seudi pleura à la vue du corps. Il insista pour fournir une parcelle de son propre terrain afin que le docteur Mei puisse y être enterré. Il se porta également volontaire pour garder la tombe. Durant 30 années, Seudi garda la tombe du médecin chinois. Il demanda à être enterré près du docteur Mei après sa propre mort. Il se peut que l'amitié entre ces deux hommes d'origine si différente se poursuive dans un autre monde. Depuis le décès de son père, Rondo assume le rôle de gardienne de la tombe. Il n'y a pas de problème.
Lors du jour de Qingming en avril 2016, journée traditionnelle de nettoyage de tombes pour les Chinois, Lai Fan, ambassadeur de Chine en Éthiopie, s'est rendu à Jima avec son équipe. Aux côtés de travailleurs médicaux chinois et d'employés d'entreprises chinoises, il a présidé une cérémonie en mémoire du docteur Mei. Lorsque le docteur Mei est décédé, ses deux fils et sa fille étaient encore jeunes. Ils ont cependant tous suivi les traces de leur père et sont devenus médecins. Le fils aîné, Mei Xuetian, a réalisé un rêve en 1998 lorsqu'il a rejoint une équipe médicale et est venu en Éthiopie où son père reposait.51 membres d'équipe médicale chinoise ont donné leur vie en Afrique au cours des dernières décennies et y sont enterrés. Les histoires de guérison de malades et de vies sauvées, ainsi que l'amour qu'ils ont donné à leurs semblables, serviront toujours d'exemple. La 25e équipe médicale chinoise se prépare à décoller pour l'Algérie plus d'un demi-siècle après la première. Ces équipes médicales chinoises sont comme des messagers qui relient les peuples. En offrant leur aide aux populations locales, ils construiront l'espoir qu'une bonne santé puisse s'installer partout sur le continent africain. Le nombre de travailleurs médicaux chinois à l'étranger est passé de 13 il y a plus de 50 ans à plus de 20 000 de nos jours. Que ce soit dans les villages souffrant de la sécheresse, de la pauvreté ou de l'isolement, ou bien dans les villes ravagées par les épidémies, on constate toujours la présence de travailleurs médicaux chinois qui soignent des patients et sauvent des vies. Dans tout ce qu'ils font, ils montrent leur engagement à respecter la vie humaine, combattre les maladies et diffuser un amour indépendamment des frontières.